갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번
coup. Rose. Oui. Est parti le monsieur? Il y avait un monsieur tout à l'heure. Enfin, je crois que Oui, c'était un monsieur. je crois que j'ai failli lui rentrer dans le nez. Ah, psy. Tu fais quoi? Enfin, tu veux faire quoi de beau? Ah, bah je sais pas trop. Tu veux aller faire des trucs de vêtements? On peut. Ouais. Je pense qu'il faudrait se faire une tenue d'automne. Bah, je t'avoue que ça se refroidit. Je m'achèterais bien un truc un peu plus chaud. On va encore passer 3 heures dans les magasins. Oui. Se faire en premier. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont? Fouet, un départeur, non. Ils ont peut-être pas les prix de ceux-là. Ouais, non, je crois pas. Je crois que c'est juste les pantalons, ça. Ouais, je vais regarder les pantalons. Alors. Je vais acheter ça. En vrai, c'est compliqué, je trouve que c'est plus facile de choisir un pantalon quand on a déjà le haut. Ou alors je prends un pantalon basique. Il faudrait qu'on parce qu'il faudrait mettre des couleurs d'automne. Oui.
Je réfléchis, je cherche l'inspiration dans ma tête. Un truc un peu comme ça pourrait être sympa. Un peu, tu sais, dans les tons orange, ocre. Je retiens. Ah non, celui-là, il est mieux. Je trouve avec les petites lignes, peut-être qu'il ajoute un petit quelque chose. Quoique. Oh, ou alors celui-là. C'est les mêmes modèles, mais c'est pas la même, tout à fait les mêmes. Hein. Je vais encore passer 3 heures dans la cabine, désolée. T'inquiète. Ça c'est un peu trop orange, non? C'est vraiment citrouille, quoi. Bah, je peux me déguiser en citrouille, hein. Peut-être un peu tôt pour faire la citrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non. Bon, je vais être un short. Bon, éventuellement une salopette, mais il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, quoi. J'avoue que j'aime pas trop ça, en fait. Peut-être que toi t'aimes bien, mais moi j'aime pas trop. J'aime pas trop comment ça taille. Bah, c'est un peu large, enfin, mais pas. Ouais. Alors, poupoulou poupoum. Sinon, le. Je pense que le plus joli, ça serait peut-être de partir sur un bas plutôt neutre et de mettre genre du jaune-orange pour le haut. Ça pourrait être joli. Un petit jeans. Sinon, ça j'aime encore bien, mais je pense que ça va pas être facile à sortir. Bon, j'hésite entre partir sur un. Ah non, il y a un truc derrière. Pourquoi un truc noir sinon? Il y a ça, je me dis c'est simple, mais je sais pas, je trouve que ça sera peut-être plus joli qu'un jean. Ça serait plus simple s'il y avait un catalogue.
que j'aime vraiment bien celui-là, mais je pense que ça va être dur de trouver un haut qui fasse pas trop. Est-ce que tu voudrais beau comme haut? Tu veux mettre un sweat, un truc comme ça? En fait, ce qui serait vraiment beau, ça serait d'avoir un truc uni avec juste une petite touche de la même couleur que le pantalon. Mais je sais pas du tout si ça existe. Après, je me dis, je pense que ça serait. Enfin, moi perso, je trouve que j'aurais plus facile de trouver d'avoir un haut, je crois. Ouais, les chaussures aussi, ça c'est le petit détail à la fin. Let's go. Dommage qu'ils aient pas des jolies petites jupes. Ils ont que des trucs trop courts. Ouais, c'est vrai que c'est. En vrai, ça serait bien aussi de mettre un short, mais il faudrait pouvoir mettre des collants en dessous. Ouais. Parce que sinon, on a un peu froid les jambes. Papa.
Ils ont l'air d'avoir des trucs un peu plus chauds ici. Bonjour monsieur. Poulou poupou poum. Je regarde vite fait ce qu'ils ont. Ouais, des suites sinon aussi. Gilet. Sinon des petits blousons. Ils ont quoi comme bas ici? Ouais, ici ils ont pas grand chose. Ça, il faut un peu mixer les deux. Ouais. Je sais pas trop si je m'ensuite ou Je n'ai pas des petits pulls en laine là. Ou alors faudrait mettre un. Ouais, avoir des pulls comme ça.
Moi, je devrais faire une espèce de mix avec avec la tenue qu'on avait fait l'autre fois là. Une espèce de petit gilet. Je suis mitigée. C'est après, sache que tu peux mettre une écharpe ou une croix. Ouais. Parce qu'en vrai, je me dis, genre un petit col roulé beige là. Ouais, ça se baisse, mais il va bien celui-là. Ça, j'aime bien. Mais ouais, en beige. Quitte à remettre une petite veste, tu vois, ou un peu un manteau dessus. Bah justement, en fait, si t'as dit manteau, tu peux mettre d'autres trucs en dessous. Ah ouais? Et justement, des fois, il y a des cols roulés. Mais le manteau, c'est pas ici, du coup. Ouais. Il va bien le violet aussi. Hein. Le col roulé? Ouais. Trouve pas que ça fait un peu trop avec mes cheveux? Bah, je sais pas. Moi, je trouve que ça va bien sans. Ah, je sais pas, je trouve que ça fait un peu trop ton sur ton. Que limite, ça serait le pantalon. Mais là, comme c'est juste à côté. C'est complicado. Parce que j'ai des idées dans ma tête, mais on trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Hein. Aller voir dans la boutique des rues si tu veux. Ouais, toi tu veux pas regarder ici? Bon, après j'ai plus ou moins une idée, mais parce que ça va donner quoi. En vrai, moi j'aurais bien vu ça, un petit col roulé avec avec un manteau dessus. Ou alors, mais ça, je sais pas, ils ont des. Tu vois, j'avais acheté un petit gilet l'autre fois, mais un petit gilet en laine, mais je crois qu'ils sont pas très beaux ceux qu'ils ont. Je crois qu'ils sont un peu trop larges. On va aller voir. Quand même, je trouve genre les. Ça rend pas bien ce que je veux. Je voudrais sur un site de simulation de tenue pour faire des tests. Oui. Parce que quand même, je trouve les. Je sais pas s'ils ont, mais genre les pantalons à carreaux pour l'hiver, c'est assez joli. En fait, ce qui est compliqué, c'est de retenir où est-ce qu'il y a d'une boutique à l'autre. Et essayer d'imaginer ce que ça donne ensemble. J'avais pensé à faire des catalogues, ça serait bien. Pour pouvoir comparer. Bah oui, pour voir un peu tout ce qu'il y a partout. Je sais pas si
S'il y en a. J'en ai aucune idée. Je connais déjà pas un dixième de l'île, alors même plus. Un centième, un millième. Il y a vraiment des gens qui se baladent au milieu de la route. Ouais. Si il y a des gens. Je sais pas, la voiture devant a l'air un peu. On attend du coup. Ouais, on peut attendre. Je me demande à maman si s'il pense que ça s'est déjà fait.
Mais je sais pas, il y a deux tours de parking de chaque côté, tu vois. Bah. Alors, hey, tu veux pas que je te prenne en photo pour faire notre catalogue? Parce que moi, il n'en a jamais entendu parler. Ouais, on peut. Il faudrait savoir ce quoi, sur quoi on veut partir. Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'articles. C'est-à-dire que tout le monde verrait ma tête. Ou alors faudrait couper. J'aime encore bien un petit manteau comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on peut mettre. Je retiens. Sinon, ça aussi c'est joli, je m'en cours bien. Ou alors il y a en gris avec des carreaux légers. Il y a du choix dans les manteaux. Hein. Genre des manteaux comme ça, un peu en mode impair. Attends, je vais mettre un truc comme ça, juste pour regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? Ouais, non, je vais mettre... Oh, il y a des jolies robes. J'avais vu qu'il y avait des robes. Bon, mettre
serai une robe en automne. Je vais peut-être avoir un petit peu froid. Ça, c'est quoi? Juste des trucs comme ça. Désolé, je check un peu les rayons. T'inquiète. Ça, c'est que courte manche, de toute façon. Ça, j'ai déjà regardé. Voilà, limite, tu vois, même une chemise ouverte comme ça, avec un truc en dessous, ça peut être sympa aussi. Ok, je vois plus ou moins qu'est-ce qu'il y a. Hop, je check vite quand même le bas. On avait déjà regardé l'autre fois les. Et là, c'est quoi? Ok. Sinon je me dis un truc comme ça avec un manteau. Je sais pas si je peux. Ouais non, ça a pas l'air de pouvoir être mis ensemble. Tu sais si on peut mettre un col roulé avec un pantalon taille haute? C'est complicado de s'habiller. Après, si tu veux déjà regarder pour toi, je sais pas trop.
Là, j'aime bien un truc comme ça, mais il y a juste du coup le haut qui. Quoi? Bah, qui est pas très joli, quoi. Bah, il faut le changer. Mais on peut Tu peux mettre. acheter, tu vas pouvoir changer ce que tu veux en dessous. Ok. Je trouve que c'est joli, jaune comme ça. C'était plus joli, dans les tons gris. Ça est peut-être un peu trop gris. Ouais, je sais pas trop. À toi de voir, hein. Pardon. T'es fatiguée? Beaucoup. Oh non. Si tu veux aller dormir, tu me le dis, hein. Sinon, hein, comme ça, je sais pas ce que t'en penses. Ben, il faut changer le haut, quoi. Ouais, il faut voir si je peux. Du coup, tu crois quoi? Faut que je le fasse en deux fois? Le paiement en deux fois? Il faut que tu payes le haut et tu vas pouvoir trouver ton t-shirt après. Ok. Bon. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, tant pis. Ça sera un pourboire. Bonsoir. Ouais, ou alors regarde Rose, un truc. Enfin, on disait, c'est parce qu'il faut un autre pantalon, mais. Éventuellement. Je parle toute seule depuis tout à l'heure. Ah, oui. Mais j'ai dit bonjour aux gens ou pas? moi j'ai entendu, oui. Mais je t'ai plus entendu à partir du moment où je te demandais pour le col roulé. Ben, moi j'aimais bien avec le col roulé clair. Celui-là? Ouais. Mais du coup, faut juste un autre pantalon, quoi. Les autres. Ouais, t'es sûr, il y en a un qu'il faut pas que tu prennes. Du coup, comme ça. Moi, je voulais un pantalon taille haute. Je trouve que c'est plus joli.
me dépêche, hein, désolée. Ok. Je peux l'impression de passer 3 heures à la cabine, là. Je sais pas s'il aurait bien été le pantalon que j'ai vu tout à l'heure, là, un peu orange. Je sais pas quoi prendre comme pantalon. Je suis un peu perdue, hein, pour les pantalons, je sais pas trop vers quoi partir. Le plus joli, ça aurait été d'avoir un gris genre avec des lignes, genre des carreaux dessus dans les tons de la veste. Ouais. Allez, let's go, je vais devenir styliste et je vais créer plein de vêtements. Ah non, c'est pas joli ça avec la bande sur le côté. Il y en a un que tu trouves sympa dans tout ce qu'ils ont. Pas trop. Voilà, faut partir sur du brun foncé. Je sais pas, je suis pas, même la veste là, de toute façon je l'ai achetée, mais je suis pas convaincue, je sais pas. Je trouve que ça me donne un côté strict. Je regarde vite fait, mais le mieux ça serait des petites bottines. Tu veux rien ici? Je sais pas. En vrai, j'ai presque envie de mettre ma tenue là, qu'on avait fait l'autre fois là pour l'automne. Ouais.
bien celle-là? Tu trouves que ça me va bien? Bah, moi j'aime bien. Mais après, faut voir si toi tu l'aimes bien. Bah, moi je l'aime pas trop. Après, tu peux peut-être modifier des trucs, mais je sais pas. Ah, je me sens Oui, toute je pense. petite là à côté Bah oui, c'est pour ça. de toi. J'aimerais bien changer les couleurs un peu, en faire un peu moins noir. Ouais. Si je remets mon autre tenue, ils vont reprendre le manteau, c'est ça? Oui. Je peux switcher. Du coup, toi, il n'y a rien qui t'intéresse ici? Ou tu sais pas trop? Ben, j'attends. Ok. Ouais, en fait, je sais pas. Plus je regarde, plus je suis pas convaincue de ce manteau. Je sais pas trop. Cadeau de s'habiller, dis donc. Je crois que mon manteau il est pas ici. Ah ouais? Je sais plus du tout où tu l'avais pris. J'ai l'impression qu'on avait quasiment tout fait ici, mais... Ah, si. Let's go. Le plus joli, je sais pas. Or quoi et quoi t'aimes bien? Bah, je sais pas, j'aimerais bien mettre quelque chose de noir, quoi. Bah moi j'aime encore bien le gris. Le blanc c'est... Ouais, le beige je trouve ça peut-être un peu trop clair. Celui-là? Ça j'aime encore bien. Ou voilà, à la limite tu peux partir sur de la couleur, sur du bleu. Moi j'aime encore bien. Après avoir... Bah, j'aimerais bien mettre un col roulé. Parce qu'en bleu, je trouve, c'est pas non plus trop tristounet.
C'est vrai que souvent le gris et tout ça, ça c'est quand même vite. C'est vite de tristounet. Ça, les pots. Bah si t'aimes bien, moi j'aime bien, mais c'est toi qui dois. C'est après pour que t'hésites comme moi avec mon manteau là. Ok. Franchement, ça va encore, parce qu'il n'est pas trop foncé. Il y en a pas mal, 50 000, hein. Et puis j'ose pas mettre un truc histoire de pas mourir. De quoi, lequel? Marron, c'est mort. J'aime encore bien le turquoise, mais. Celui-là? Ah non, celui-là. Ouais, mais après le rouge aussi, hein, il est pas mal, hein. Bah, celui-là, il est cool, hein. Il fait pas trop flash, mais il ajoute un peu de couleur. Coucou. J'ai mis très Yo. vite quand même, du coup, mes chers. Bon, on peut aller voir. Oui. Ah oui, elle est vraiment belle la veste derrière. J'avais pas vu que ça faisait des petits plis comme ça, c'est super beau. Ouais, du coup, moi, il faudra que je voie pour un pantalon et peut-être des petites bottines ou un truc comme ça. Parce que là, j'avoue, avec mes chaussures lumineuses, c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, hein. De ouf. Ok, ta main à l'aide, hein. Tu veux que je recarte pour toi? Non, t'inquiète. Ok. Bon, si jamais tu veux me montrer un truc, tu me le dis. Je sais pas si je remettrai un petit béret. Je suis devenue fan des bérets. Ça va, ça, en vrai, non? Attends. J'arrive. Hop, j'arrive, j'arrive. Bah oui. Petite écharpe, oui.
T'hésites avec autre chose ou pas? Moi, je Non, je passe voulais là. mais juste mettre quelque chose. Ouais, c'est juste un peu bizarre avec le manteau, quoi. Ah ouais, non, c'est carrément chelou. À l'aide. Non, c'est chelou ou pas? Mais c'est chelou, hein. Je trouve ça va encore parce que moi, enfin, personnellement, c'est pas, je trouve que c'est pas le truc le plus choquant. Oui, ton Non, manteau mais c'est repasse quoi un petit peu à côté, mais c'est le pas. plus choquant? Non, je veux dire, ça pourrait être un truc qui ressort de partout. Avec, enfin non, sans ou avec? Bah, je trouve qu'avec ça ajoute un petit truc quand même. En vrai, je trouve que c'est pas encore hyper choquant que ça ressorte un petit peu. Ouais, je pense que de toute façon, avec tous les manteaux, ça te fera pareil. Hein. Et tu vois, genre un petit béret comme ça, là. Le problème, c'est que ça me fait toujours des grandes oreilles. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas un peu too much? Bah, ça fait un style. Parce que moi, j'aime encore bien un petit béret. Après, je peux le porter tout le temps. Bon. Allez, soyons foufous. Hop là. Et good. Juste le pantalon et les chaussures. On va y arriver, hein. Au pire, j'aurais deux tenues pour l'automne. Hein. Je pourrais toujours remettre aussi celles qu'on avait faites ensemble. Je peux switcher entre les deux. Et de toute façon, je pense que je vais revendre mes tenues d'été là. La voiture. Bah. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a foncé. Bah, elle a pas l'air à. Oh non. Il se passe des trucs bizarres dans le sud. Oui. Il y a peut-être un service d'urgence qui a dû passer et. Ou pas. Pipo, 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 pipo. Pipo, pipo. Pipo, pipo.
pas de souci. Sauf si tu t'excuses auprès de ta voiture. Et là, je ne peux pas répondre à sa place. Ben après, c'était le monsieur, quoi. C'est pas là qu'on voulait aller. Bah, je sais pas, tu veux voir pour des chaussures, peut-être? Je sais pas si c'est ici, les chaussures. Je ne sais pas. J'ai pas vu tout à l'heure s'ils avaient des espèces de petites bottes. Oula, des petites bottines ou un truc comme ça. Après, moi, je t'avoue que je changerais d'abord mon pantalon, ça serait plus simple, mais... Mais je crois qu'ici, en tout cas, ils ont pas mal de baskets. Ouais, parce qu'après, au pire, je peux partir sur des baskets. Mais je sais pas quel pantalon je vais mettre. Ouais, ils ont des bottines, mais c'est plutôt bottines de marche. Ça peut passer, hein. Non, ça me plaît pas. De toute façon, je sais pas, faut que je vois le. Là, je sais pas trop ce que. Où je change de pantalon. Je te fais courir, désolé. Je cours pas là. Non, non, mais courir d'un point à l'autre, quoi. Alors pour le pantalon, oui, ça tombe de devoir aller voir ailleurs pour des chaussures et. Bah, de toute façon, je pense que les chaussures et les pantalons sont au même endroit. Ah, ok. Il y en a pas 50 000 d'autres, hein, tu sais. Ok. Parce que tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait pas grand chose en chaussures. Mais j'ai peut-être pas fait trop attention. Je n'ai peut-être pas parcouru tous les rayons. Il avait pas l'air content. T'as eu mal ou pas? Non, ça va. Je me suis pris un sacré truc dans la gueule. Ça va, je me suis accrochée là sur le côté. Là. J'ai suivi les mouvements de la voiture, je n'ai rien senti. Alors, c'est toi qui as pris tout le choc pour nous deux. Je pense. Tu voudras passer au BCMS? Je pense, oui, il va falloir. Ok.
Tu t'es fait mal où? Et le volant, quoi. Ah, ouais. Alors, c'était lequel que j'aimais bien? Ah ouais, c'est ici, ok. Nickel. J'aime bien ça, moi. Ou Genre quoi? de quoi? J'aime bien ce genre de chaussures. Que j'ai au pied? Non, que moi j'ai. Tout ce que je vois, c'est que t'es dans la cabine d'à côté. Puis ça, moi, il n'y a qu'une cabine. Ces chaussures comment du coup? Bah c'est des espèces de bottes, enfin un botte un peu chaussure quoi. Ok. Je sais pas trop pour les chaussures. Je vais voir, je vais les mettre et puis. Ouais, non, j'aime pas du tout. C'était mieux. C'est mieux quand je les essayais avant. Ouais. En vrai, j'aime beaucoup là, les bottes avec de la moumoute là, mais c'est peut-être un peu trop chaud pour le moment. J'aime pas du tout. De quoi, les bottes à moumoute? Mmh. Ah, moi j'aime trop. En plus, c'est bien chaud à l'intérieur. C'est hyper confortable pour marcher. Je sais pas trop. Moi, j'ai pris des trucs simples. J'ai pris des petites baskets. Je sais pas trop pour les chaussures. Que le pantalon, j'aimais bien celui-là. On avait déjà parlé tout à l'heure. Je sais pas si tu trouves que ça va bien avec. Ou alors tu partirais plus sur du brun foncé ou du noir. T'en penses quoi? Bah, je sais pas, t'as envie de mettre des talons? Ah non, mais même pour le pantalon. Ah, le pantalon, ça va. Ok. Bah, pas vraiment, mais je trouve pas.
pas, j'aime bien des petites bottines comme ça, mais il n'y a pas vraiment de couleur qui va bien. Je vais mettre ça, t'en penses quoi? Ils en ont beaucoup, hein. Mais sinon, dans les bottines, je trouve que ça fait vite très très gros pieds, quoi. Oui, bah oui. C'est justement ce que j'ai pas aimé. Parce que genre j'aime bien ça. Mais ça aussi c'est... Oui, bah j'ai vu des chaussures comme ça, mais moi j'ai pas aimé. Bah ça fait gros pied quoi. Mais je t'avoue que si je mets pas ça, je sais pas trop ce que je mets. Des ballerines, non. Des sandales, non. Ou alors je pars sur des baskets basiques quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus haut avec mon pantalon. C'est compliqué, Rose. Je trouve pas de couleur qui va bien avec ma veste. Ouais, non, ça pof. C'est ça que je me disais. Bah, les bottines, même si ça fait des grands pieds. Ouais, éventuellement ces baskets-là, mais je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. Tu sais, on n'est pas assez bon dans les trucs, hein. Ouais. Celles-là, elles vont pas du tout avec, mais elles sont trop jolies. Du coup, tu préfères quoi? Tu préfères ça? Ou ça, même si ça fait des gros pieds? Moi, je préfère l'autre. Ok. Les petites baskets. Alors, hop. Et le pantalon, du coup, il y a celui-là. Ou alors, toi, il y a le même, genre avec des lignes. Ou avec des gros motifs comme ça. Mais je trouve que le normal, c'est aussi bien. Ouais. Ou éventuellement les lignes, pour ajouter un peu de matière. Mais j'hésite aussi en brun, mais ça fait peut-être un peu trop tous les mêmes tons. Remets le plus orange. Le brun, il est pas mal aussi. Mais oui. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment tout ton sur ton, quoi. Ouais, c'est soit le noir, soit celui-là. Le noir? Bah, après, le noir, c'est vrai que c'est des couleurs faciles, quoi. Parce que j'aimerais bien l'orange, je trouve que ça ajoute une petite un peu de couleur. Bon, je pense que je vais partir sur celui-là. À chaque fois qu'on vient, je dis que je l'aime bien, donc au bout d'un moment. Attends, je regarde quand même un peu derrière et tout. Bon, ça va, c'est comme des couleurs qui vont bien ensemble. Allez. Let's go. Alors, ah attends, j'ai pas mis sur mon cintre.
coup, j'ai envie de remettre l'autre parce que je l'aime trop. Mais elle est un peu trop. Comme avec la petite cravate et tout. Je suis jamais convaincue de mes tenues, c'est compliqué, hein. Oui, moi aussi. J'ai toujours l'impression de m'habiller n'importe comment. Hein. Puis quand je croise des gens, je trouve qu'ils sont trop bien habillés. Oui. C'est un enfer, hein. Ben ouais. C'est comme si les vêtements ne voulaient pas être sur nous. Enfin, quoi que. Tu trouves que c'est bien ou quoi? Ben moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est classique, mais c'est très joli. Bon, c'est pas compliqué, si les gens ils nous regardent en rigolant, c'est que... J'ai même pas envie de sortir de la voiture. On n'est pas obligé de sortir de la voiture, hein, pour peut-être faire des soins... Tu crois qu'on n'est pas obligé de sortir? Si tu klaxonnes, peut-être qu'ils vont venir faire les soins dans la voiture. Oh non, Rose. Rose, à l'aide. T'inquiète, c'est de moi qui rigoleront. Pourquoi? Bah, je sais pas, toi ça va, je veux dire, c'est des couleurs qui au noir, gris et tout, ça va ensemble, moi je sais pas, j'ai l'impression d'être habillée comme un clown. Mais j'aime bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre en même temps. À l'aide. Non, mais ça va, hein. Ça va. Oh. C'était plus facile de m'habiller en été, j'ai l'impression. Un t-shirt, et c'est parti. Bon. Je me mets derrière toi. Hein. Ouais, je peux rester dans le buisson. Juste la tête qui dépasse. Tu veux te mettre dans le buisson? Ah oui. Oh, oh, oh. Ah oui, c'est... Vous êtes prêts pour l'hiver, là? Oui, on est prêts pour l'hiver. Il commence à cailler, hein, le matin. Le matin? Oui. Ça caille. Ça caille. Oh, mais cool. Mmh, mmh. Bah, c'est l'automne, pas, hein, maintenant. Pas froid, tes petites manchettes. Ah si, si, on attend les tenues d'hiver, là. Ça se fait pas quand c'est, quand les a. Bon, je sais pas, hein, c'est pas moi qui vois les tenues. Chef, on les a quand, les tenues d'hiver? Bah, on verra. Merci, chef, je vraiment, j'apprécie. Non, tout, ah, mais que à ce moment-là? Oui. On va se geler... On va se geler pendant ce temps. Moi je vais y aller en hoodie en interne. Ouais, bah ouais. Elle a dit bien, vous êtes témoin. Tu seras pas ton chef du coup. Pas guère. Bon bah je vais pas y aller en hoodie du coup. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dis-moi, Cole, qu'est-ce que t'en penses de la tenue de Sanson? Eh ben, elle est bien. Bah, tu vois. elle avait l'impression de ressembler à un clown. Ah, oh, bah, pas du tout. Non, non. Bah, ça va. Je l'aurais vu sur mon nez. Ah, oui. Un peu de maquillage, là, c'était bon. Le beige ça passe partout. Les clowns ils mettent pas du beige. Ça peut être un clown beige. Un clown d'automne. Oui. Tout. Je ne permettrai pas d'émettre un jugement.
Oui, mais tu le penses. Et si on me demande mon avis, je dirais que je dois être impartial. Tu m'as déjà vu conduire. Elle s'est mise sur le banc le plus loin de tout le monde. C'est vrai que... Bah tiens, arrête-toi. Non mais je sais pas, hein, ça tombe... Tu sais, il parle de trucs personnels, je vais pas faire genre j'écoute, hein. Ah bon, on fait que ça, non. On fait que ça. Puis il est bien ce petit banc, il y a un petit rayon de soleil dans le dos et tout là. Oui, mais on est un peu loin quand même. Ouais, mais comme ça on n'a pas trop chaud. Est-ce Pas que trop j'irais froid. pas, jusqu'à dire ça dépend de l'heure. Oui, bah tu dois bien savoir. Tu dois connaître l'éclairage de tous les bancs, de toute la journée, de toutes les intempéries. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Faudrait mettre sur le sol des petits traits. Hein. Comme un Peut-être cadran solaire. même pas venu dire bonjour, quoi. Ouais. Non, mais je cringe. T'as pas reconnu. Je cringe, cringe, cringe. Hein. Oui, je pense que c'est. C'est. Ou alors il a eu peur du clown. Il a peut-être quelque chose à dire à son collègue. Il a peut-être peur des clowns, hein. Non, mais je retiens, Yorick, je retiens. Oh tiens, j'oublierai pas. En plus, c'est lui qui répond jamais à mes messages. Voilà. Ah, question, Wade. Oui. Tu lui avais déjà envoyé des messages? Non. En fait, si, attends. Ah, tu veux pas que ça te dérange si j'appelle Maria? C'est juste parce Oui, qu'il si vient. tu veux. En fait, on avait rigolé une fois, je crois, je sais plus. Oui? Ah, c'est. Je te demandais si elle avait déjà envoyé des messages à lui. Je pense, mais c'était pas non plus. C'était pour savoir s'il allait bien, quoi. On avait rigolé une fois, le lendemain, je lui avais demandé, je lui avais dit bonjour, et puis c'était quoi. Ok. Mais bon, pas plus que ça, quoi.
Bah moi il m'a dit que tous les 2 jours il lui envoyait des messages pour savoir comment il allait. Ouais, bah bon, il y a un moment donné, je l'ai pas vu pendant longtemps, hein. Ouais, bah nous aussi. Oui, enfin, je pense, ouais, peut-être dans la semaine où je vais demander son téléphone pour discuter, quoi. Mais après, sinon, c'était pas plus d'une semaine, quoi. C'était quand, il y a longtemps? Ah oui, il y a longtemps. C'était au début quand je commençais à connaître Jutro, je crois. Non, ah, je sais plus. Ça fait un moment quand même. Hein. Ça fait plus d'un mois. Ah oui, je trouve ça commence à dater. Hein. Oui. C'est presque parti du monde. J'ai l'impression que Loïc, c'est un mec qui s'emballe un peu vite. Et que ah au ouais moindre truc. Ouais! Au moindre signe, entre guillemets, il va forcer un peu. Ouais. Ah ouais. Ouais, surtout que bon, quand il m'a appelé, il fait hey, bonjour, et pourquoi vous êtes parti de BCMS? Mais ouais, de toute façon, comme j'ai dit, j'en ai parlé avec lui. Il comprenait pas trop, mais bon. Bien sûr. Bon, du coup, je vous laisse discuter. Hein. Ouais non mais le truc tu vois, si je me rappelle même pas d'avoir parlé avec lui et que c'était soit il y a longtemps, soit il n'y en avait pas beaucoup. C'est un random. Je sais que je crois que c'est Gétro qui a eu son numéro. Je lui avais demandé pour avoir des nouvelles parce qu'on avait je trouvais qu'il y avait un film, tu vois. Et je lui avais écrit 2-3 messages pour savoir s'il allait bien. Et puis, on avait échangé quelques messages, mais ouais, enfin, c'était pas non plus mon gigabro et on s'est pas parlé pendant un mois et il vient me dire ça maintenant, quoi. Après, j'ai peut-être pris des trucs un peu méchamment aussi, hein, je sais pas. Pas de doute, hein, comme ça, monsieur. Il vaut mieux. Après, je veux pas non plus qu'ils pensent que je suis une balance, quoi. Ah, ça en bat les couilles, déjà. Une balance, ça tient un truc. Donc, quoi, c'est une balance, ça tient un truc. Il y a une différence entre ça et penser un truc important. Mais lui il change de couleur de cheveux tous les jours. Bah il revient sur son couleur. On se regarde. Alors il se cherche. Alors je sais pas si je sais pas si c'est de la drague de Mumu, hein, mais il a fait
très bien. Et puis t'as mis. Déjà, je comprends toujours pas pourquoi il vous voit encore. Oui, non, mais c'est. En fait, c'est. C'est un délire. Oui. Il est cool, hein. Mais je trouve ça drôle. Ah, mais lui, il faudrait trouver quelqu'un là, faut qu'il tire un coup là. Excusez-moi, je fais cru, mais là, à un moment. Ça va plus. Hein. Ah, faut qu'il tire son coup. Oh là là, on peut plus là. Faut qu'il se détende, hein. Oui, c'est pas facile hein, de trouver. Et d'ailleurs, tu, son pied. Tu te rappelles. J'avais organisé un date une fois avec Alfred et un petit collègue. Ouais. Et ben. T'es qui le collègue? Vraiment, tu le gardes pour toi? Oui. C'est Fleet. Oui. Et apparemment, il y a un petit truc entre les deux. Ah bon? Moi, je crois qu'il y a un truc entre Alfred et Rollins. Oui, mais en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que tu dois le garder pour toi. Ah oui, d'accord. Alfred et Rollins sont ensemble. Mais il y a un petit truc entre Fleet et Alfred. Ah bah c'est vrai que. C'est vrai que c'était pas suffisant déjà ce qui se passait avec Xor. Il faut qu'il refasse le truc à côté. Oui. C'était pas mal aussi, Xor avec les 40 LCS à mourir de Xor là, putain. Les 40 LCS. Et les 40 chéris. Ah non, mais c'était. C'était les feux d'amour version. Quel enfer. Ah c'est ça. Mais comment vont les feux du PCMS? Je crois qu'ils fument plus. Hein. Ah oui. Ah ça a été réglé à l'époque. La métaphore, je veux bien, mais là, vous avez tout. Oh non, c'est aussi, il faut que tu trouves quelqu'un. Ouais, genre, on se concentre sur ce qui arrive. Très belle tenue. Hein. Incroyable. Si. Ouais. J'ai douté si c'était de la drague ou pas. Ça vous va bien toutes les deux. Hein. Merci. Allez, je vous laisse. Super. Et c'est bien. C'est de la drague. Tombé dans les pommes. Parce qu'il a pas dit ça vous va bien. Oh, ça vous va bien. Oh. Non. Il y a quelqu'un? Non. Oh. Ah, l'aide. Je crois que Mumu, il a changé de bord. Non, puis, Mais non, Mumu, il aime les hommes et les femmes. Bah oui, je te rappelle que sa phrase... Alors, ça veut dire, il faut pas le prendre mal. Ta phrase, c'est tout ce qui bouge. Non, moi, la phrase de Mumu, c'est qui que tu sois, je saurais te rendre heureux. Et c'est beau, c'est écrit ça sur tout le monde. Il recherche l'amour des hommes ou pas. Et des femmes de 20 à 35 ans et de principalement peut-être bronzés voire métis. C'est ça qui est. Si tu connais quelqu'un de bronzé. Bordel. Non mais ça se trouve il a menti hein. Murphy? Oh bah c'est tellement large ton truc. Ça peut correspondre à peu près à la planète entière hein, si tu peux me permettre. À l'exception peut-être des lézards. Allez.
te plaît, la fille? Enfin, je sais pas, je le connais pas vraiment. Voilà, je pense qu'il faut vous présenter. Je fais ton boulot, Rose, hein, parce que là, je pense que... je vois que... Tu veux son numéro? Tu sais que la première phrase de description de Mumu, c'est que je suis irlandais et j'ai un tempérament de feu. Je suis spécialiste. Mais de leur fille pour les sites de rencontre sur leur vas-y Rose. Je suis irlandais et j'ai un tempérament de feu, je suis le spécialiste de la poche de glace. Faudrait rajouter qu'il a un petit côté dépressif aussi. Ah oui, je vais mettre ça. Je vois ce que je pensais. Le numéro demeure, c'est 75-62. Ah, c'est quoi le numéro de son? Sinon, je balance la mumu. Vas-y, c'est quoi le numéro de son? Le numéro de son. J'aime bien la côté, elle subit tout ce qui se passe. 53. Là, il va lever son portable dans 3, 2, 1, 5. La discussion, c'est lui qui parle. C'est pour ça que je pense. Et là, c'est lancé. La machine est lancée. Le tempérament de feu, là. Il dit ça calme parce que du coup il sait qu'on parle de lui. Stop au 31 machin, voilà, tu peux envoyer stop. Ah, c'est dommage qu'il ait eu mon numéro, j'aurais bien essayé. Ah, mais, ah, t'imagines, tu discutes avec un anonyme. Ouais. Et vas-y. Juste t'envoies des SMS comme ça. T'imagines. D'accord. Ouais, d'accord. Ah. Tu peux essayer. Moi, je tu mets un numéro au hasard, hein, tu tomberas peut-être sur quelqu'un. Ouais, non, mais ça fait peur un peu. C'est le but d'un anonyme. Non, mais c'est quelqu'un que tu connais. Enfin, qu'il y en a un des deux qui connaît, quoi. Mais que l'autre ne sait pas. Voilà, toi, tu veux en contrôle absolument tout ce qui se passe, et l'autre. L'autre, il est en PLS, quoi. On va faire des correspondants nord-sud. Allez. SMS, ils obtiennent un numéro du SMS au hasard.
J'en ai beaucoup de numéro de SMS, donc j'ai LSPD, LSMS, LCS, j'en ai à la main. J'ai LSS, j'ai Rollins, j'ai Makemili nanana. C'est reçu. Ah là, là, il va parler, il va préparer son message, là, il est parti off radio. C'est vrai? Ah oui, je pense. Il va pas du tout faire autre chose. Pas du tout. Et moi, j'aimais bien sa coupe de cheveux avant. Là, il a tout changé, j'aime plus. Tu t'aimais bien laquelle? La couleur ou la coupe? Les deux. En blanc, à la coupe des trucs. Non, non, mais c'était pas blanc avant, il y avait un petit roux et il avait la même coupe que j'ai trouvé. Oui, c'est pas que c'était comme Rollins ça avait un moment. Oui, c'est ça. Moi je préférais comme ça. Moi j'ai pas osé lui dire parce que quand il a changé, il était content. Bah ouais, pour lui faire du mal. Et là il a la coupe de Charles. Ah. Et Yorick d'ailleurs il a encore changé. Non hein? Non, non, il a pas encore changé. Non mais Yorick aussi il change de couleur de coupe de cheveux toutes les semaines. Non mais moi aussi je fais aussi stable que lui. Du coup toi qui reste pareil. Bah oui. Sauf quand t'as arrêté de marcher de la même manière qu'avant. Non quoi. Mais ça, c'est bien que toi qui t'as remarqué ça. Oui, non mais j'analyse. Même pas à moi, j'étais là. Un jour j'arrive, je vais rose, elle me fait ah ben tu marches plus comme avant. Avant tu je crois que tu marches comme Moumou. Le problème c'est que moi je me souviens plus comment je marchais avant. Tu dors comme un ému. Et maintenant tu marches comme un bonhomme. Tout le monde s'arrête dans la rue. Moi ça bien, ça doit vous faire une bien une soirée où il n'y a pas trop d'appels par rapport aux autres. J'ai fait une montagne en montagne chaud, vraiment grande falaise. Hier soir, il n'y a pas eu un truc près de la Syrie. Pas cet été là. Hier soir, près de la Syrie, je sais pas, moi j'étais sur. Pourquoi? Non, parce qu'on était à la Syrie, puis on a vu une ambulance juste derrière vers le pont. Il y avait même un pompier et tout, je crois. Oui, oui. Je sais plus ce qui s'est passé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On est passé avec Mac, mais c'était moi dans le. Pas trop de choses, je sais plus moi. C'était hier soir. Ah oui, tu sais. Franchement, je suis dégoûtée. Yuri qui vient même plus me parler, quoi. Yuri. Il y a un jour, je lui ai dit bonjour. J'ai jamais eu de réponse. Il y a 9h, je lui ai dit hello. Et il y a 7h, il m'a dit bonsoir. Du coup, il y a 2h, je lui ai dit ça va. Toujours pas de réponse. Bah, je sais pas.
qu'elle vient pas trop haut. Que pour le coup, il n'y a pas de raison. Ça se trouve, il me déteste. Ah, tout le monde te déteste, quoi. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème, tu vois. Je sais pas. C'est. Je sais pas. Je pose trop de questions là. Ouais, d'habitude, il vient et tout, il saute et tout, il est tout content. Et là, il fait personne. Ouais, il est dans sa phase. Oui, j'essaie d'être droit et de ne pas faire de bêtises pour que la direction me voit bien. Ah, et oui, que j'arrête de passer pour un. Ah. Un foufou. Oh. J'avais pas tilt, désolé, on est tellement dans nos conversations. Il est pas venu me dire bonjour en tombant. C'est quand même extraordinaire. Bah, désolé, désolé. Oh, déjà sur les vêtements automne-hiver là. Le duo d'enquête. Comment ça le duo d'enquête? Comment c'est chiant. Comment ça le duo d'enquête? Comment tu sais? Bah t'es arrivé en me disant ça en fait. Hein? Tu me l'as littéralement dit en arrivant. Attends. Est-ce que tu... Si si tu m'as dit. Si si tu m'as dit. Tu m'as pas fait ça. Ah pareil, c'est ce que tu m'as dit. J'en suis sûr. Ah non, c'est sûr. Ouais. Non. Ah non, je. Alors. Alors vas-y, cherche une explication. Et cherche très fort. Très fort, très vite. C'est un infiltré en fait. Illuminati. tu nous aides bien en fait. Ça fait des dépressifs là sur le banc. Ça, le banc ça rend dépressif. Putain, mais regarde la direct, c'est trop fort. Ouais. Ouais, c'est trop difficile d'ailleurs ta première journée. Ouais. T'as rendu compte que c'est pas ce que tu voulais ou comment ouais, ça se passe? Un peu des deux. Ouais. Fallait que je me posais des questions, il fallait que je me rende compte de ce que c'était quoi. Bon bah au moins t'aurais essayé. Oui. T'es intéressant au moins même si c'est dur. Ah bah. Bon après on est trop payé. Ah, je vois les directrices qui se déplacent, c'est-à-dire qu'aucun médecin ne se déplace. Une flèche de cul. Oui, mais elle a peut-être envie aussi de s'occuper de ses patients, non? Bah surtout qu'il y a deux autres médecins à côté. Mais... Oui. Et que le premier à y être allé, c'est Marc. Donc il y avait des médecins. Oui. Je te dis, hein, c'est impressionnant. Lèche-botte. Lèche-cul. T'es jaloux, hein? Okay. Ah ouais? Bon, ça a pas l'air bien, monsieur. Merci. Moi, tu veux mieux que ça. Tu mérites toutes grandes attentions. Tu mérites grandir. Alors. Grande attention. Tu veux que je te demande si Grandet il a pas un frère ou une soeur? Ah, je peux me faire une idée perturbante. Une idée très perturbante. Ouais, faudrait. Je pense que pour Murphy ça serait parfait. J'ai été un sur ta fiche. Moi? J'avais fait une fiche, moi? Non, mais c'est tout, il y a carrément pas écrit, quoi. Ah oui, bah j'sais oui. Je sais pas qui a écrit ça, mais il y a écrit, je n'aime pas trop le conflit. Je suis quelqu'un de modeste. Ah, allez, je suis. Vas-y.
vois, là, elle a été discutée avec les deux personnes. Mmh. Ils se retrouvent tous comme des cons. Bah oui. Ça va aller bien le coup, hein, partir. Mais oui. Comme quoi. J'ai pas de suite. T'as pas eu d'inter complètement absurde dernièrement? Ensuite, c'est pas vrai ce qui s'est enchaîné. J'ai enchaîné tout à l'heure avec Marie en plein en inter. On avait le SUV garé. Mm-hmm. Et on appelle l'Ariane, c'est l'Ariane qui arrive et le SUV était légèrement mal garé. Mm-hmm. Le camion a éclaté le SUV et l'a remis bien dans la ligne. Ah ouais. Et quand on va vers le camion, en fait, le mec était plus dans le temps, il a mal de tête. Oh merde! Et tout à l'heure, là, l'intermont Chiliat, je redescends, c'est Cody qui me redescend, dans le canot 4. On discute, on rigole, il prend un son dans une ligne droite du chemin, mm-hmm. et je le vois qui passe sur le pare-brise. Oh merde! Donc le temps que j'enlève, je l'entends, en plus, quand tu viens me parler, c'est con! Du coup, j'entends la voix qui s'en va, tu vois. Et je commence à. Du coup, j'enlève ma ceinture, je rattrape le truc, je freine. Je freine de tout ce que je peux, ça freine, ça s'arrête. Et puis j'ai un pneu qui a crevé pendant une heure, je comprends toujours pas. Voilà, l'inter en montagne. Inutile. Non, sinon, bah, ça, on est aux internes, mais pas bien. Des portes ouvertes. Ouais, il y a plein de portes ouvertes qui s'arrivent. Bon, du sang. Du sang. Ah, condition de vigilance. Venir sans armes, et même pas les armes de gang. Tu pourras pas y aller du coup, Rose. Merde. Merde. Bah, du coup, j'ai pas d'objet, mais je suis de gang. Mmh. Ouais. Ouais. Un gang des pantalons blancs là. Bah ouais, mais du coup, ça marche plus qu'elle a un pantalon blanc. Mmh. Mmh. Peut-être qu'elle a un pantalon blanc en dessous. Mmh. 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 C'est reçu. Tu l'avais pas vu. Moi, j'arrive pas à parler ce soir. Moi, pour le débat, là, je fais peut-être un. Comment? Ah oui! Je t'aide, hein, parce que du coup. Oui, mais de toute façon, tu connais que les trucs médicaux, toi. Oui, mais je peux pas parler français non plus. Ok, mais à un moment. Techniquement, je fais peut-être pas un AVC, je suis peut-être super nul en français en fait. Dès que moi j'ai un nom. Et c'est toujours plus que j'ai trop. Et c'est ça qui. Ouais, c'est une balle perdue. C'est une balle totalement perdue. J'ai trouvé, il a combien de neurones? Je sais pas, c'est bon du coup. C'est de ce côté 5. Il est pas chaud là? Non, ça va. Non, ça va. Il y a un petit vent. Vous allez apprendre l'hiver, hein. Non, mais on achètera une doudoune. Hein. Oui, on mettrait une doudoune. Et quoi? C'est... Quoi? Non, je peux pas, c'est impossible à raconter là. C'est impossible. L'autre fois? Ouais. Dans un autre univers, dans un autre monde. Je pourrais jamais entendre. C'est vrai que la flamme du goût, c'est pas possible. C'est un souvenir. Pour moi, enfin, je me touche le cul de ce moment parce que là, j'ai peur la mort.
que un truc. Payé. Bah non, c'est payé par la mairie, je vais aller chercher quand même. Oui, bah on t'attend du coup. Du chef. Je voulais pas être chef. Hein. Du coup, il n'y a personne qui a froid, mais on est quand même en automne. Hein. Oui. En plus, il pleut de plus en plus souvent. J'espère qu'on aura moins la grippe comme ça. Bon, j'espère. Après, si y a les gens qui sont malades viennent près de nous. Ouais. On aurait dû mettre un scaphandre. On se balade dans une plongée. Mais en plus, hein. Bah oui, en même temps, tu sautes. Que je sais pas, c'est, on a des réflexes ici, on a du mal à nous plaindre. Des formations montagnes, ça. Il y avait plus rien dans le frigo, j'ai quand même envoyé un CS à Maria, je lui dis il reste à hausse grand chose dans le frigo. Ouais. Ah, je crois que c'est un AVC. Il y a des AVC orales et oraux et des écrits. Oh bah, c'est bon, personne n'arrive à parler, c'est cool. On essaie de parler. Je suis à 18 000. Ouais. Mmh. Que du plus. Je suis à 108 000. J'ai trop d'argent, je sais pas quoi en faire. T'as combien? Bah, j'ai 108 000. Ah, ça y est, elle a fait la VC. Faudrait que je passe vite fait à la banque tout à l'heure, Rose. T'as trop de thunes ? Bah j'ai 2100. Je sais pas. Oui, mais bon, je préfère pas garder trop. 1100, un médecin qui a 1100, il part pas en intermontagne, c'est pas assez. Y a pas de risque. C'est vrai ? Non, mais c'est déjà arrivé qu'on se rende pas compte et qu'en fin de soirée, on part en intermontagne avec 4000 sur nous. Allez. Je peux dire qu'à ce moment-là, si tu tombes dans le coma en essayant de choper le patient, inconsciemment, ton esprit il crie, il appelle, il appelle ses collègues en disant tu sens que des billets dans ta poche. La meilleure restera Yorick qui me donne 2000$ à une radio parce qu'il voulait tenter un truc. Il fait le son, il réussit, je suis derrière lui, je loupe mon son, je tombe avec deux radios et 4. Bon bah c'est bon. C'est ok. Et bon, enfin,
change autant dans les collègues comme dans les relations sociales et tout. Et d'envoyer des messages à mon mur. Apparemment, il a changé ses cheveux parce qu'il y avait un autre collègue qui a les cheveux blancs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était l'attaque des clones. mais c'est parce qu'il a changé. Il a pris la même coupe que Charles. C'est pour ça que. Ressemblait. Sinon, on ne se ressemblait pas. Mais t'es en train de parler avec lui par SMS, la bordel? Moi, non, j'ai juste envoyé un message. Je laisse mon téléphone ouvert. Dis-lui de venir. Non, mais je suis surtout là avec lui un peu. Bah, salut. Mais yo, il faut bien jouer avec les autres parce que sinon tout ça quoi. Oui, hein. Ça va, ouais. Mais non, ça va. C'est un peu. Non. Oui, j'étais avec ton problème et je te casse les dents. Pourquoi je vais me péter les dents? Bon, je pars de rien, je lui dis justement c'est à ton avantage. Ça. Pour discuter quand tu connais pas la personne, il dit je pars de rien. Mais justement c'est à ton avantage parce que. Mais je vais faire feedback. Et ça marche. Écoutez, ça aurait été un plaisir de vous voir. Oui. Et puis, bon bah bon braquage de banque du coup. Hein. Oui. Ça et marche. Du courage. Hein. Putain, vous allez me suivre en plus. Il n'y aura pas de mérite, tu vas pas le faire maintenant en fait. Alors, aussi, Je me suis arrêté là parce que je sais que j'allais me faire triste. Ouais, t'es bien une connerie, c'est ça. On dirait un dispatch qu'on a fait. C'est pas ce qu'il y a. Quand vous étiez en hélico, j'ai eu du cœur d'écoute. Ah, c'est vrai. Oui, j'étais pas. J'étais occupé à voir la chef manipuler un hélicoptère pour être en téléphone. C'était impressionnant. Je sais pas si c'était.
c'est si impressionnant ça, la performance en écho. Ah, moi j'étais impressionné, je t'avoue. Non, mais t'as vu, Cole, t'es que de se dévaloriser alors qu'il arrive un peu. Bah ouais. Comme ça. Ah, je parce que l'inico, je suis pas allé, d'accord. Oui, mais alors, t'es direct comme ça. Est-ce que c'est vraiment un compliment parce que je suis déjà chez toi? Oui, bah du coup, j'ai pas comme moi. T'es bon, non? Oui. Je vais vous faire dire en fin de la soirée, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais. Bah. Je vais m'énerver de ça. Il n'a jamais pris son service. Ah si, il est plus en vrai. Ah. Ah, il a peut-être pas repris en fait. Ah si, parce... Ah bah, il a jamais repris. Voyez-vous. Il est pas eu. J'ai passé un coup de fil. J'ai perdu tout. Mais chef, vous avez envoyé une histoire pendant la fête. Surtout on est dans un service qui se passe bien. Voilà. C'est vrai que t'es toujours en train de se marrer quand t'as fait. Mais oui, dès qu'il y a un col, elle est quoi. Parce que je suis très drôle. Tu étais sûr que t'allais faire ça. Vraiment. Ouais. C'est vraiment sa caméra. Merci, Swiss. Je veux qu'il se repose, d'accord? Non, bah, c'est un peu super. Bonsoir. 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 Bob va très bien. Eh ben super. Qui est bon? Bob. Bob. Ah, ouais, oui. C'est quoi cette fille Ouais, ben, elle se toujours appelée, ça tout se passe bien. Hein. Mmh. Ah, voyons après. Elle sera avec Bob. Pourquoi t'as dit ça Je dis quoi, ouais. Elle sera avec Bob. Mais non, mais je sais pas. Mais y a plus d'enfants. Tu deviens antipathique. Ça hier les gens, ça y est. Après ça peut te rassurer, c'est réciproque. Hein. Les gens commencent à rire. Madame Rose, c'est vrai ce qu'il dit hein. Attendez, j'étais en train de lire un message. Oui. Et moi j'ai appelé qui vous bon. Là, il a une formation. Ah si, il est mon chien. Ah, oui, je les avais oubliés aussi. Mais, non. En fait, pas du tout, non. Bonjour.
sécurité. Ça va aller, Pédro. Ton directeur adjoint, il t'a... Que ton directeur adjoint il t'a déjà balancé. Quoi? Ah. Excusez-moi, mais l'inter qu'on a fait tout à l'heure. Mais il m'a balancé des points, je sais pas. Non, que t'avais pas ta licence de pilote. Ah, bah c'est vrai que j'avais dit que Steve lisait mes papiers. J'avais oublié ce détail. Moi, Steve, s'il dit quelque chose. Oui, donc pour moi, je peux dire quelque chose, rien à foutre alors. C'est pas quand même, cher. Vous l'avez vu, montrez-moi votre bien, mais après, on ne peut pas dire. Vas-y. Attends, viens, on t'écarte. Comme ça, tu me diras si elle a permis. Bon, nous, on va vous laisser. Ça bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Qui m'appelle, là? Oui. Du coup, tu crois que Cole nous espionnait ? Je pense. C'est un infiltré. Et d'ailleurs, Sonson. Oui. J'ai oublié de sauvegarder. De mettre ma tenue sur un cintre. Ah, ok. Let's go. Et du coup, est-ce que je mets ça à la place de ma tenue d'enquêtrice? Bah. En vrai, je sais pas trop parce que si moi je remets la mienne, du coup, tu seras toute petite par rapport à moi. Ouais. Mais après, si t'as pas. Si t'as pas beaucoup de place. Bonjour, hop. Oh. Ah, oh, ça, faut que tu la gardes. Le truc de la série, il y a pas moyen de le mettre sur. Ah oui, oui. Elle te va bien en plus, ouais. Je peux pas, j'ai que ça. Bah ouais, sinon au pire supprime celle-là. Hein. Si c'est celle que...
va dire que t'aimes le moins et que tu penses porter le moins. Au pire, tu remettras vite des talons. Parce que bon, c'est pas comme si on la sortait tous les jours non plus. Enfin quoi, moi je la remettrais bien une fois de temps en temps aussi, comme ça. Parce que je l'aime bien. Bah, la tienne, c'est juste que ça faisait fort foncé, mais... ça convient parfaitement à Roselock. J'ai déjà mangé et j'ai encore envie de manger. Ah. Bah, peut-être retrouver un petit truc dans la boîte à gants. Hein. Oui, mais bon, j'ai quand même mangé beaucoup, quoi. Ah. Et j'ai seulement de remplir la boîte à gants, tu vois. Ah oui. Ça serait quand même dommage de tout bouffer hein, que je viens de faire mes courses. Faut boire un grand verre d'eau. Alors manger un fruit. Oui. On va aller ramasser des murs dans les bois là. Hop là. Quand même, manger un fruit, on dirait vraiment un dialogue de grand-mère. Hein. On boit de l'eau, on mange un fruit. Surtout une pomme. Oh, mais non, mais c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que ma mamie, elle me dit tout le temps. Oui, mais je l'ai entendu toute ma vie. Ça ressort. Moi, je peux te dire, mange du chocolat. Ouais. Mange des bonbons et du chocolat. Let's go. Non, je veux pas. Va te chercher une frite. Ça tombe bien, il y en a plein la mer. Ça glisse avec la mousse. Oui. Je suis pas un ballon. Oui. Ah bah super, il y a déjà tout sale mon manteau. Hop, je vais le secouer un peu. Voilà. Tout propre. Après c'est un peu les tons sable, hein, donc ça passe. Oh no. T'as presque atterri en mode... Tu sais, genre appuyer sur ton bras en mode yeah. Une petite glissade là. Après ça va, le sable ça fait pas mal, c'est tout mou. Je dirais qu'on fait du saut en longueur. Ah, raté. Oh non. Yeah. Let's go. Yeah. Je t'ai attrapé. C'est pas un peu glissant là? Moi je sais pas. Ouais. On est pris en otage par un rocher. J'ai sûr par contre si on saute on se casse la gueule. Faut descendre mais tout doucement sur les fesses. Yeah.
J'ai regardé comment t'avais fait. On peut y se coucher un peu près du feu. Enfin, pas trop près, mais comme ça, on aura bien chaud. Attends, 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 je vais faire une photo. Un petit selfie. Derek, tu me juges. Mais non. Le petit clown. Je suis en train de faire un grand sourire dans ma tête. Par réflexe. Let's go. Tu veux aussi en faire un? Non, c'est cool. Ok, mais je te les enverrai par mail tout à l'heure. Hop, attends, je remets mes chaussures comme il faut. Voilà. Thank you.